et ça va m'amener sur le numérique. Ça aussi, c'est un continent. Vous ne pouvez pas passer à côté, les gens. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, GAFAM. Ce sont des entreprises immorales qui passent leur temps à se soustraire au fisc. Eh bien, nous ne le permettrons plus. Il est temps de vérifier ce qui se passe et de rétablir votre souveraineté, la vôtre personnelle, sur vos droits en tant que personne, mais aussi la souveraineté de l'État. Si nous emportons cette élection, j'annonce à Microsoft qu'ils peuvent passer par-dessus bord tout leur programme de travail commun avec l'éducation nationale, car nous ne laisserons pas Microsoft bourrer la tête de nos gosses. Je crois que c'est à nous de faire cette proposition et d'accueillir ce monsieur Snowden chez nous et sans lui poser de conditions. Car voyez-vous, on parle beaucoup de l'espionnage des États, mais il y a aussi 2 millions de personnes espionnées. On n'a rien à dire sur le sujet. Sur nos goûts, sur nos mœurs, sur nos liens, sur nos listes d'amis, de ne pas accepter que les grandes compagnies les vendent à d'autres sans nous demander notre avis. Nous avons une autre idée, nous, elle porte un nom, ça s'appelle le numérique en commun. Protection des données privées, neutralité du net, il faut qu'existe le domaine public de l'Internet, ce domaine public des savoirs. Ne laissons pas les grandes majors s'approprier tout ce qui est disponible, les droits dont je vous parlais tout à l'heure, ces œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Évidemment que ça passe par les logiciels libres, mais, et que nous le développerons, ça va de soi. Pourquoi les administrations de l'État ne sont-elles pas en tête? Il faut que nos jeunes à l'école apprennent le vocabulaire de la technique du numérique. Mais surtout, par-dessus tout, les gens, il faut absolument, tout le temps, qu'ils apprennent à avoir le recul critique par rapport à ce qu'ils voient, qu'ils ne se laissent pas halluciner, embobiner, entortiller. Voilà la nouvelle version de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ce continent numérique doit être rendu au peuple parce qu'il lui appartient, parce que c'est lui qui l'a créé, parce que c'est lui qui le fait vivre, parce que c'est lui qui l'entretient. Et assez de l'ordre globalitaire qui prétend rentrer dans nos têtes pour nous dire ce que nous devons faire. Les livrets sur le numérique, sur la culture, sur l'école, je vous demande humblement de les lire. Et même, je vais vous dire, même si vous ne votez pas pour ce programme, lisez-le quand même. Parce que la force des idées, c'est qu'elles contaminent, comme on dit.